Bah avec plaisir, que le gothique est toujours à la mode. Et nous avons effectivement... Alors, est-ce que vous me permettez de parler sans micro ? Oui. Si je parle comme ça, parce que c'est un peu sourd, après on entend moins bien. Effectivement, le petit propos que je vais tenir se situe en marge de l'exposition que vous pouvez voir derrière cette cloison, et puis l'exposition que nous avions conçue à Commentry, et dont celle-ci est issue, comme vient de le dire Françoise Muller. Une exposition dont le commissariat a été confié à Neil Stratford, notre grand ami Neil Stratford, un amoureux de la France, de la Bourgogne médiévale et du Bourbonnais, un amoureux de souvenirs, avec lequel nous avons déjà développé plusieurs projets. Et il y a quelques années, avec Neil Stratford, nous avions conçu, à Bourbon-l'Archambault d'ailleurs, le projet de faire ensemble une exposition sur la redécouverte du Moyen-Âge en Bourbonnais, et nous nous étions fixés comme objectif l'année 2014, bicentenaire de Viollet-le-Duc. Ce n'était évidemment qu'un prétexte, parce que vous allez voir, on parle beaucoup de néo-gothique, mais on va peu parler de Viollet-le-Duc, étant donné qu'il n'a pas été particulièrement présent par ses travaux en Bourbonnais. En revanche, tout le mouvement qu'on pourrait qualifier de néo-gothique, ou comme les Anglais le disent, de Gothic Revival, on n'a pas en français le renouveau gothique. En même temps, c'est tout le Moyen-Âge qui est concerné, pas seulement le gothique. Ce mouvement intellectuel qui parcourt tout le XIXe siècle et au-delà, et en deçà, concerne bien au-delà du Bourbonnais. Nous voulions en mesurer les effets et voir en quoi le Bourbonnais y avait pris sa part. Mais il fallait aussi retracer un contexte général qui est européen. Il est allemand, j'en parlerai moins, puisque Neil Stratford n'est pas allemand mais britannique. Il est anglais largement dans ses origines. Et français, bien entendu, pas seulement bourbonnais. Cependant, le bourbonnais a une particularité qui n'a peut-être pas suffisamment été soulignée dans cette redécouverte du Moyen-Âge. C'est la place qu'il y prend. Il est curieux qu'aucun travail général n'ait été consacré au XIXe siècle en bourbonnais sous l'aspect artistique architectural. Quelques travaux particuliers, je pense à ceux que Daniel Moulinet a fait sur les vitraux, mais nous n'avons pas un recueil des constructions du XIXe siècle en Bourbonnais, et il faut grappiller les informations à droite à gauche. Donc l'exposition que nous avons faite et le catalogue qui en est issu et que vous pourrez consulter après l'exposition est une première synthèse, mais évidemment pas quelque chose de définitif dans le peu de temps qui nous était imparti. Pourquoi le Bourbonnais y tient une part particulière ? En raison, d'abord, de deux personnalités qui n'ont rien à voir, mais qui sont importantes dans ce mouvement, et j'y reviendrai, Achille Allier, avec la naissance du mouvement romantique en province. Il incarne vraiment le mouvement romantique en province pendant un temps. Et puis, Mgr de Drebrézé, dans un autre genre, qui est l'aspect administratif de l'Église, c'est l'évêque de Moulins, pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, de 1850 à 1897, et Mgr de Drebrézé va délibérément recréer une architecture, un art mobilier médiévaux en Bourbonnais, en participant à la construction de la cathédrale et à la construction finalement du diocèse de Moulins. Donc ceci, c'est la part que nous devons à deux personnages sur lesquels nous reviendrons. Puis, plus fondamentalement, il y a peut-être aussi, quand on pense à tous les châteaux qui ont été construits ou reconstruits à cette époque, à tous les commanditaires que cela suppose, mais aussi aux églises qui ont été construites la plupart du temps avec des souscriptions et parfois avec les dons des mêmes familles qui habitaient ces châteaux voisins des églises. La sociologie du Bourbonnais faite de grandes familles, de grandes propriétés, de grandes familles qui, sous le Second Empire, ont trouvé à la fois un agrément et un but philanthropique dans l'enrichissement de leurs propriétés rurales, souvent de très grandes propriétés, et qui, avec ces fortunes agricoles, ont largement contribué à l'essor architectural, à la construction architecturale dans notre région, en regard de régions voisines plus pauvres. Alors, je vais venir bien sûr au Bourbonnais rapidement, mais je pense qu'il est indispensable de reprendre en introduction quelques éléments de contexte général pour situer l'originalité éventuelle du Bourbonnais. Et d'abord, puisqu'il est question de renouveau
de renaissance, de redécouverte, une première question qui se pose, une question liminaire, c'est on l'avait donc oublié, ce Moyen-Âge, jusqu'à l'époque romantique. Eh bien, pas tant que ça. Et c'est ce qui explique aussi la facilité avec laquelle le Moyen-Âge va réapparaître au début du XIXe siècle. Et particulièrement en Angleterre. On pourrait dire que l'Angleterre n'a jamais cessé d'être gothique, pratiquement médiévale, et il est certain que dès le XVIe siècle, on constitue en Angleterre des collections de manuscrits médiévaux. On a peut-être plus d'attention pour les archives que pour les monuments. Mais cependant, William Dugdale, dès le milieu du XVIIe siècle, écrit, contribue à l'édification de ce qu'on appelle le Monasticum Anglicanum, qui est un recueil des principaux monuments d'archives, d'architecture et de sculpture de l'Angleterre. Et vous avez ici cette gravure qui en est extraite. On est vers 1660, et vous avez déjà le souci de demander à des dessinateurs et à des graveurs d'illustrer l'histoire monumentale de l'Angleterre, notamment par la vue de ces tombeaux, ici celui de Jean, duc de Lancaster, à la cathédrale Saint-Paul, détruit par l'incendie de Londres qui va suivre. Donc c'est un document évidemment très important. Même si l'intérêt est historique, généalogique et pas architectural, nous avons là une trace de la permanence d'un intérêt pour l'histoire médiévale anglaise. L'Angleterre n'est pas la seule. Alors, il faut que je retrouve les petites flèches pour que ce soit là. L'Angleterre n'est pas la seule. Et nous avons en France un mouvement comparable, légèrement plus tardif, qui est celui des mauristes. La congrégation de Saint-Maur, d'où les mauristes tirent leur nom, c'est une réforme de l'ordre de Saint-Benoît, imposée à Richelieu pour fusionner différentes congrégations bénédictines, dont celle de Cluny. Et la grande figure de Mabillon se dresse sur cet ordre de Saint-Maur avec les travaux d'érudition des mauristes qui considéraient que l'un des objectifs de la spiritualité bénédictine devait être un retour aux études scientifiques, mais aussi aux études historiques. Et c'est pourquoi les mauristes vont parcourir la France pour recopier les archives des chartiers des monastères. Sans eux, nous n'aurions plus du tout la mémoire des archives ecclésiastiques de la France, car c'est eux qui en ont fait la copie avant que la Révolution ne vienne brûler les originaux. Donc, ils l'ont édité, notamment les annales bénédictines, et nous avons grâce à eux d'intéressants documents, bien sûr, et d'intéressants relevés. Des relevés aussi d'architecture, comme ici je vous montre, paru en 1713, le plan de la grande église de Cluny, Cluny III, détruite en grande partie à partir de 1791 et jusqu'en 1823, mais dont il reste un bras du transept. Ce qui est peut-être encore plus important que les éléments architecturaux que ça nous donne, c'est toutes les annotations qu'il y a en dessous de la position des tombeaux, par exemple. Car il ne faut pas oublier que toutes ces églises, notamment monastiques, les cathédrales aussi, étaient, comme le dit Chateaubriand, des labyrinthes de tombeaux. Et qu'elles n'étaient pas ces grandes salles vides peuplées de chaises que nous avons aujourd'hui, mais des églises véritablement très privatisées par des tombeaux, alors bien entendu ici surtout des salles vides de Cluny. Et tout comme les mauristes mènent cette enquête, un érudit français qu'il convient de citer, Guénière, Roger de Guénière, dans les mêmes années, la fin du XVIIe siècle, il meurt en 1715, je crois, Roger de Guénière paye des dessinateurs pour parcourir la France à la recherche des monuments du Moyen-Âge. Là aussi, dans le même but héraldique historique que je décrivais. Mais c'est à lui, par exemple, Roger de Guénière, ou plutôt à son dessinateur, Goudon, que nous devons le souvenir du tombeau, d'un tombeau disparu de Souvigny, qui est le tombeau du bâtard de Bourbon, dont nous n'avons dans les fouilles retrouvé que les sous-structures, mais qui s'élevait devant la chapelle vieille avec le même système de piédestal et de gisant que les tombeaux que vous connaissez de la chapelle vieille et de la chapelle neuve. On pourrait en citer bien d'autres. C'est à ce Guénière qui a donc collecté des centaines et des centaines, des milliers pourrait-on dire, de dessins de ces monuments du Moyen-Âge sous le règne de Louis XIV. C'est à Guénière que nous devons la mémoire monumentale de ces monuments disparus, donc extrêmement importante.
Et vous voyez donc qu'on ne peut pas dire que le Moyen-Âge était méprisé, oublié, d'autant plus que Guénière, en léguant ses dessins à Louis XIV pour l'enrichissement de la bibliothèque royale devenue nationale où il se trouve aujourd'hui, demandait au roi d'instituer une sorte de service des monuments historiques avant la lettre. C'est-à-dire un service d'inspection qui aurait pour mission de parcourir les provinces et d'assurer la protection, la conservation, voire la restauration des principaux tombeaux, des principaux monuments de l'histoire de France. Ça n'a pas vu le jour, mais cela prouve que, dès avant la Révolution et ses grandes remises en cause, ce grand traumatisme révolutionnaire sur lequel je reviendrai, il y avait quand même dans l'air du temps, chez certains érudits, le souci de ce Moyen-Âge. Cependant, les choses vont prendre une tournure toute différente à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est en Angleterre, d'Angleterre, que nous vient cette mode. On pourrait donner une date à cette émergence de la mode gothique, soit celle de 1749, soit celle de 1764. Alors, les deux concernent un même homme, Sir Horace Walpole, écrivain à succès, grande fortune, mécène, qui, en 1749, commence l'édification à Strawberry Hill de sa folie gothique. Regardez-moi ça, c'est sa galerie où il entrepose ses collections, et elle est conçue comme une reproduction des églises et des salles de cloître anglaises du XVe siècle. On voit ses voûtes en éventail, etc. Et il est, je le disais, un romancier. Il connaît le succès avec The Castle of Otranto, autrement dit le château d'Otrante, qui est le premier, on considère ce livre comme le premier roman gothique. D'ailleurs, je vous encourage à aller le lire, puisque la bibliothèque de la Pléiade vient de rééditer ce livre en même temps qu'un certain nombre d'autres, dont Frankenstein et le moine de Lewis, mais il y a en tête de volume le château d'Otrante de Walpole, et on voit déjà tous les ingrédients du roman gothique fantastique qui va avoir tant de succès au XIXe siècle. Mais nous sommes là en 1764, en Grande-Bretagne. Là, vous avez la scène où le triste sire Manfred, voulant violenter la jeune vierge Isabella dans la galerie de son château, se voit interrompu par l'animation du portrait de son ancêtre Don Alfonso qui sort du cadre pour l'en empêcher, mais le roman avait bien commencé, puisque, avant de vouloir épouser cette Isabella, Manfred avait l'intention de la donner à son fils, un personnage assez fantoche et chafouin, qui, dès la deuxième page du roman, sortant de la cour au moment de ses fiançailles, se fait écraser par un immense aume, 100 fois grand comme un aume de chevalier, en métal, avec des panaches de plume noire agitée par le vent et tombant du ciel. Voilà. C'est le début du roman, c'est une sorte d'introduction assez tragique. Donc c'est ce genre qui mêle le fantastique, le religieux, avec bien entendu le moine qui a eu une vie tourmentée avant d'être moine et qui vient apporter la paix chrétienne dans tout cet univers un peu tourmenté, le sinistre baron qui est bien entendu un usurpateur, le jeune paysan qui se révèle être le véritable héritier de la fortune et du duché. Enfin, bref, je vous passe tous les détails, je vous donne simplement l'idée d'aller lire le texte original. Et puis, vous vous en doutez, derrière Walpole et ses successeurs, il y a surtout la grande figure de Walter Scott, avec dès 1814 l'écriture de ses nouvelles de Waverley, et en 1819, Ivanhoé, son premier grand roman médiéval, et derrière Walter Scott, tous ceux qui vont suivre son inspiration, non seulement dans la littérature, mais aussi dans la musique, avec, par exemple, les opéras de Rossini, la Donna del Lago, etc., et puis dans les arts décoratifs, puisque nous aurons une véritable mode gothique qui va contaminer tous les arts, la peinture. En Allemagne, après la publication de la cathédrale de Strasbourg de Goethe en 1770, vous avez les œuvres de Gaspard Friedrich où les ruines gothiques peuplent des horizons absolument désespérés d'arbres morts, de hiboux perchés sur des tombes, de silhouettes de moines, etc. C'est tout à fait romantique.
Et puis, un peu partout, cette mode gothique qui envahit jusqu'aux arts décoratifs. Vous avez là une toute petite et mignonne lanterne qui figurait à l'exposition avec en transparence des personnages un peu dans ce style qu'on va qualifier par dérision de style troubadour, mais vous l'avez sur les pendules à la cathédrale, vous l'avez sur les reliures à la cathédrale, on en verra une, deux. Voilà donc un contexte qui crée, vers les années 1780-1800, les conditions d'émergence d'un goût, si ce n'est d'un intérêt scientifique. Puis la deuxième chose générale sur laquelle je veux insister, c'est la Révolution française. Je pense qu'on n'a pas assez mesuré que la Révolution française est une révolution qui se considère comme le nouveau monde face à la féodalité. C'est-à-dire qu'elle arrive et avant elle, c'est le Moyen-Âge. Bon, on peut avoir là-dessus toutes les appréciations que l'on veut, mais c'est un peu ainsi qu'elle se présente. Et quand elle veut mutiler les tombeaux de Souvigny, elle passe un devis de vandalisme à une entreprise pour dire « vous supprimerez ». L'entrepreneur supprimera de l'église de Souvigny les témoignages de la superstition et de la féodalité. C'est-à-dire ce qui a trait à la religion chrétienne et ce qui a trait à la monarchie, mais considéré comme une sorte de continuum depuis les temps médiévaux jusqu'à Louis XVI. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Capet. C'est pour ramener tout ce monde-là, tout cet ancien monde, si je peux dire, vers le Moyen-Âge. Alors, la Révolution jouera un double rôle dans cette émergence du goût médiéval. D'abord, en raison de ses destructions, parce qu'il va y avoir action et réaction, et bien entendu, tentative de sauvetage de tous ces monuments que l'on détruit. Et puis aussi, un contact très direct des intellectuels, on pense à Chateaubriand et bien d'autres, avec la Grande-Bretagne, par l'émigration. Et c'est souvent de retour d'émigration que les châtelains français, retrouvant plus ou moins leur terre et leur fortune, seront tellement imprégnés de la mode gothique anglaise qu'ils voudront la même chose finalement chez eux. Et il faudrait bien sûr ici faire tout un développement dont je vous fais grâce sur Chateaubriand, car c'est lui qui incarne, cristallise au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle cette réaction en faveur du christianisme, en faveur du Moyen-Âge, par son chef-d'œuvre de l'époque, Le génie du christianisme, paru en 1802. C'est très tôt. On n'est même pas sous l'Empire à l'époque. Et dans son génie du christianisme, avec beaucoup d'audace, il explique d'une part la vertu du christianisme, sur tous les plans, mais aussi l'importance, on pourrait dire, culturelle et patrimoniale du Moyen-Âge et de ses monuments. Alors, je ne citerai pas Chateaubriand, mais on a tellement de plaisir à le citer quand même qu'on ne peut pas s'en empêcher un petit peu. Mais rappelez-vous, surtout qu'on va y venir dans un instant pour la protection des tombeaux de Saint-Denis et de l'œuvre d'Alexandre le Noir, ce qu'il disait dans Le génie du christianisme. On voyait jadis aux environs de Paris des sépultures fameuses parmi les sépultures des hommes. Puis, trois petits points, mais un vent de colère a soufflé autour de cet édifice de la mort. Quand on a des phrases comme ça, évidemment, on entraîne l'enthousiasme, quelle que soit finalement l'idéologie. Et il disait aussi des choses merveilleuses sur l'architecture gothique, en récupérant, si je peux dire, consciemment ou inconsciemment, très habilement, le naturalisme rousseauiste. L'architecture gothique, finalement, ce n'est rien d'autre que la nature transformée en pierre. La cathédrale qui est une forêt. L'architecte gothique, non content de construire des forêts, dit-il, a voulu en imiter les murmures et à l'aide de l'orgue et du bronze suspendu a attaché à l'édifice gothique le bruit de ses vents et de ses tonnerres. Donc quand on entre dans une église gothique, on n'a plus le sentiment d'entrer dans une féodalité rétrograde ou récessive, mais on entre de plein pied dans la nature, dans l'exaltation romantique de la nature. Ce mouvement, soutenu littérairement, artistiquement, par Chateaubriand et d'autres, va avoir des conséquences très directes sur la préservation des monuments. Déjà, au moment de la Révolution, je vous l'ai dit,
en réaction aux destructions, quelqu'un comme Alexandre Lenoir avait obtenu, de 1792, je crois, de la Convention, de préserver les monuments détruits pour les rassembler dans son musée des monuments français, c'est pour ça qu'il tient à la main son catalogue du musée des monuments français, où il entrepose notamment les restes des tombeaux des rois de France, de Saint-Denis, qui venaient d'être détruits en 1793. Mais ce Lenoir, qui est très célèbre en France, avait en Bourbonnais une sorte de d'élève, de disciple, qui est Claude-Henri Dufour, dont M. Recoul a déjà publié une partie des œuvres et s'apprête à nous livrer la suite de ses journaux. Alors, grâce à la Société d'émulation, je remercie M. et Mme Chattard qui nous ont permis de redécouvrir ces dessins, nous voyons dans les archives de Claude-Henri Dufour à Moulins des costumes médiévaux, tout à fait dans cet esprit troubadour, mais, dit la légende, copiés du musée des monuments français de M. Lenoir. Donc on voit le lien très direct qui s'établit entre les deux hommes. Se sont-ils connus ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient animés par la même intention. Et Dufour, qui est au départ professeur de dessin, il est artiste, il fait surtout des compositions de fleurs, il est professeur de dessin, et il se voit confier pendant la Révolution la difficile mission d'être l'Alexandre Lenoir du Bourbonnais, c'est-à-dire de rassembler les œuvres d'art médiévaux, les œuvres médiévales d'art qui sont menacées par la destruction. Et c'est ainsi, vous le savez, l'anecdote est fort connue, qu'il raconte comment il a sauvé la Bible de Souvigny. Mais on lui doit bien d'autres choses, parmi lesquelles, outre les monuments qu'il a pu sauver pour le premier musée de Moulins qu'il n'arrivera jamais à véritablement créer, ses relevés, ses dessins. Je vous en montre un ici qui est aux archives départementales de l'Allier. C'est le déroulé de la colonne zodiacale de Souvigny. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'il l'a observé, le dessin est daté, de 1794. Or, la colonne ensuite, que vous connaissez tous, qui est au musée de Souvigny, disparaît pendant 50 ans pour réapparaître dans une grange à 4 lieues de Souvigny en 1840 et quelques, 44 je crois, quand l'abbé Chambon, curé de Souvigny, l'y récupère en même temps qu'un certain nombre d'éléments lapidaires. Mais entre-temps, la pauvre avait souffert. Donc les parties basses étaient endommagées, et grâce au dessin de Dufour, nous avons des éléments extrêmement précis, c'est très très bien dessiné, sans trahison de la véracité, d'après les parties conservées. Nous avons donc là l'état de la colonne au moment de la Révolution. Donc ce Dufour est important pour une autre raison, c'est que tous ces dessins, toutes ces notes, tout le projet qu'il avait conçu d'un ouvrage sur le Bourbonnais, qui serait une sorte de voyage pittoresque dans le Bourbonnais, il va les transférer à une autre personne qui est Achille Allier, et dont je vais parler dans un instant. Je continue cependant le va-et-vient entre Paris et Moulins, parce que une grande partie des choses se passe quand même à Paris. Et s'il y a en province, chez nous, Achille Allier, il ne faut pas méconnaître d'abord les encouragements dont il a été l'objet à Paris. Vous avez ici, dans une superbe reliure cathédrale d'époque, 1835-40, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, roman paru en 1831. Il n'est pas innocent, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de souligner que l'éditeur commande Notre-Dame de Paris à Victor Hugo, en lui demandant de faire un roman dans le genre de ceux de Walter Scott. Donc c'est vraiment situer la filiation. On veut l'Ivanhoé. Alors Victor Hugo a d'autres soucis que de faire du roman gothique à la mode de Walpole, et il y a derrière Notre-Dame de Paris beaucoup d'autres considérations historiques, patrimoniales, sociologiques, politiques, qu'il développe dans sa vision très hugolienne du Moyen-Âge. Vous connaissez de Paris, je n'y reviens pas. Mais ce qui est important, c'est qu'il devait y avoir une suite à Notre-Dame de Paris. Et cette suite devait se passer en Bourbonnais. Alors voilà un des scoops de l'exposition. Ben, certains le savaient déjà. Mais c'est quand même important de savoir que dès 1832, l'année qui suit la parution de Notre-Dame de Paris, voilà ce que les lecteurs pouvaient voir comme prospectus publicitaire.
Le contrat était déjà signé avec l'éditeur Randuel. Sous presse, pour paraître successivement, Le Roi s'amuse, pièce de théâtre que l'on connaît et qui paraîtra effectivement, et La Quique en Grogne. La Quique en Grogne, qui tire son nom de la tour de Bourbon-l'Archambault, du même nom, La Quique en Grogne, qui est la tour la plus extérieure des remparts de Bourbon du côté du bourg, et qui, ça n'est pas inutile de le souligner, est une tour qui tire son nom d'une sorte de mot populaire, de déformation d'un mot populaire, une expression que l'on retrouve ailleurs en France, et dont la légende est partout la même. La même circule à Saint-Malo avec la tour qui gangrogne d'Anne de Bretagne, c'est les bourgeois qui veulent s'opposer à la construction d'une nouvelle tour par le baron local, le seigneur local, et le seigneur s'exprime en disant « je la construirai qui gangrogne », c'est-à-dire qui que ce soit qui soit contre, voyez-vous, qui proteste. Et donc la qui gangrogne, d'après Victor Hugo, qui écrit en réponse au journaliste une sorte de résumé préfigurant son ouvrage, La Quique en Grogne devait être l'exact pendant de Notre-Dame de Paris. Victor Hugo s'exprime ainsi. Notre-Dame de Paris, c'était la cathédrale, La Quique en Grogne, ce sera le donjon. Le Moyen-Âge ecclésial face au Moyen-Âge féodal. Et il devait mettre en scène les bourgeois de Bourbon, les sires de Bourbon et les moines de Souvigny. Bien sûr, nous pleurons tous de chaudes larmes de ne pas avoir ici, dans la médiathèque de Moulins, le manuscrit ou l'édition originale de La Quique en Grogne, ouvrage dont on n'a pas une ligne. Extraordinaire. Il avait déjà vendu pratiquement la traduction. Le prix était annoncé, mais on n'a pas le moindre manuscrit. Sinon, qu'on peut expliquer la disparition de La Quique en Grogne par d'autres œuvres qui sont publiées plus tard, ultérieures de Victor Hugo, et notamment 1793, alors qu'il n'a plus rien à voir avec le Moyen-Âge, mais où un chapitre est consacré à une immense tour-prison, un ancien donjon qui sert de prison, qui s'appelle la Tourgue, qui prend presque la stature des tours de Notre-Dame de Paris dans Notre-Dame. Donc la Tourgue de 1793, d'après les spécialistes, ça n'est rien d'autre que la réincarnation de ce qu'aurait été la Quique en Grogne en 1832, si vous me suivez. Donc, d'ailleurs, il est intéressant de voir que quand Victor Hugo dessine, bien plus tard, en 1875, sa tourgue, il lui donne un peu la tête de la Quique en Grogne. C'est très proche. Et ça n'est pas innocent parce qu'en bas, il marque la tourgue en 1835. Le dessin est de 1875 ou 16, à la maison de Victor Hugo de Paris. Et il met la tourgue en 1835, ce qui la situe à l'époque où il voulait écrire La Quique en Grogne. Donc tout ça s'agitait encore un peu dans son esprit. Mais ce qui nous intéresse ici, parce qu'on ne va pas faire tourner la conférence à l'histoire littéraire de Victor Hugo, c'est ses liens avec Achille Allier, car Achille Allier, le jeune érudit bourbonnais né à Montluçon et, en 1807, est mort prématurément à Bourbon-l'Archambault en 1836, qui est l'auteur de l'ancien bourbonnais dont je vais parler dans un instant, Achille Allier connaissait Victor Hugo, qui l'encourageait dans ses œuvres. Et on pense, pas seulement les bourbonnais, mais on pense que l'idée d'écrire La Quique en Grogne est venue à Victor Hugo du contact avec Achille Allier, qui lui parlait de ses projets d'une histoire du bourbonnais, qui lui racontait l'épopée des sires de Bourbon, et Victor Hugo pensait qu'il avait là une matière historique toute trouvée à travers les écrits historiques d'Achille Allier pour les transporter dans la fiction romanesque. Mais Victor Hugo n'était pas la seule connaissance littéraire d'Achille Allier, puisqu'il fréquentait les milieux parisiens en général, et notamment Alexandre Dumas. Et nous avons, de la part d'Alexandre Dumas, un récit toujours très imagé de sa visite en Bourbonnais, quand Alexandre Dumas répond à l'invitation d'Achille Allier et vient visiter Souvigny. Il arrive le soir et il insiste pour visiter l'église de Souvigny. Il est accueilli dans la sacristie de Souvigny par l'abbé Chambon, qui est le curé de l'époque. Henri Delorme a brillamment et avec beaucoup d'esprit retracé cet épisode qui est raconté par Dumas. Et comme toujours, c'est romantique, on ne sait jamais quelle est la part de la vérité et de la fiction. C'est-à-dire on pense que Dumas est bien passé en Bourbonnais. Est-il allé à Souvigny? Peut-être. Ça c'est comme Chateaubriand en Amérique, on ne saura vraiment absolument jamais. Mais enfin, toujours est-il que Dumas raconte ça comme s'il y avait été.
Chambon l'accueille, accueille la petite délégation parisienne. Dumas est tout de suite mis en confiance parce qu'il voit son portrait au mur dans le presbytère. Donc il pense qu'il est là en bonne compagnie. Et Dumas dit, au bout d'un quart d'heure, nous étions dans un faubourg, dans un appartement du faubourg Saint-Germain à Paris. Donc la conversation va bon train, le souper est servi, et l'abbé Chambon, ensuite, à la fin, propose la visite nocturne de l'église, qu'il a magnifiquement et romantiquement préparée, en demandant à un organiste de s'installer à la tribune, et à la lumière des torches, voilà notre Alexandre Dumas, Achille Allier et compagnie, qui visite l'église. Et tandis que Dumas se perd un peu vers la chapelle vieille ou neuve, il entend subitement, voilà, c'est le murmure des tonnerres dont parlait Chateaubriand, et bien le souffle de l'orgue Cliquot, l'orgue de Souvigny, qui entonne le Stabat Mater au moment donc, où les torches animent les reliefs des chapiteaux. Tout ça est absolument possible, totalement réaliste. Achille Allier était donc au contact de ces gens et les avait intéressés aux Bourbonnais. En même temps, ils recevaient leurs encouragements, et c'est probablement grâce à cet entre-genre qu'il peut obtenir finalement les moyens de la publication de l'Ancien Bourbonnais, qui est sa grande œuvre, et pour laquelle il a passé contrat avec Claude-Henri Dufour, dont je parlais précédemment. Dufour a renoncé à publier son voyage pittoresque en Bourbonnais. Il est là avec tous ses dessins, toutes ses notes, il ne sait plus quoi en faire. Et finalement, il passe contrat avec Achille Allier pour lui vendre tous ses papiers. Voici le genre de papier, la société d'émulation conserve notamment celui-ci, qui est un ancien relevé de Dufour des ruines du château de Bourbon avant la démolition de la Sainte-Chapelle. Donc là, ce sont tous ces papiers faits par Dufour pendant la Révolution. Et Dufour les cède à Achille Allier, avec mission pour Achille Allier de d'écrire et de publier l'Ancien Bourbonnais. Alors l'Ancien Bourbonnais, bien sûr, vous savez tous que c'est cette immense histoire du Bourbonnais qui fait l'orgueil des belles bibliothèques, des bibliophiles locaux et pas seulement. Deux gros volumes de textes, un volume d'atlas qui contient des planches format grand in-folio de lithographie essentiellement, représentant les principaux monuments du Bourbonnais, avec comme date limite de publication, la date de 1838 où les dernières livraisons ont paru et les reliures ont été faites, mais cette publication a duré un certain temps, bien entendu, et je vous l'ai dit, Achille Allier était mort depuis 1836, donc l'œuvre a été continuée après sa mort, notamment par Louis Bâtissier et Adolphe Michel. Et il est difficile dans l'atlas, je le signale par précaution aussi pour tous ceux qui utilisent les images de l'Ancien Bourbonnais, il est très difficile de savoir de quand elles datent, puisqu'elles sont publiées en 1838, mais certaines d'après des dessins de Dufour faits pendant la Révolution. Ainsi, le dessin de la colonne du Zodiaque que je vous ai présenté est reproduit en gravure dans l'Ancien Bourbonnais, mais avec un trait qui est tellement néoclassique que les monstres médiévaux deviennent des espèces d'angelots néoclassiques. Donc la transcription entre le dessin et la gravure est devenue un petit peu erronée. Et c'est tout un mouvement, l'Ancien Bourbonnais, ce n'est pas seulement les trois volumes dont je vous parle. Il y a beaucoup d'artistes qui gravitent tout autour, Durand notamment, qui signe un certain nombre de lithographies. Et vous avez ici, non publié, un dessin très intéressant qui représente l'intérieur de l'ancienne église de Bressol. On verra la nouvelle dans un instant. L'intérieur de l'ancienne église de Bressol, en 1836, dessin destiné à la publication de l'Ancien Bourbonnais, mais qui n'a pas été retenu finalement. Donc on trouve ainsi toute une iconographie romantique des monuments bourbonnais, favorisée par cette publication, générée par cette publication d'Achille Allier, mais tout ne s'y trouve pas. Et c'est un vaste mouvement intellectuel qui, outre ces lithographies et cet album de l'Ancien Bourbonnais, vous avez ici la lithographie publiée de Saint-Pourçain-sur-Sioule par Sabot, quand il y avait encore un petit peu plus de cloître que maintenant. Mais ce mouvement intellectuel de l'Ancien Bourbonnais dure au-delà de la publication de cette œuvre, puisqu'Achille Allier a créé en même temps, en 1835, une revue qui s'appelle L'Art en Provence, qui est une revue absolument extraordinaire. C'est
la première revue de décentralisation culturelle en France. Elle proclame dans ses principes du départ que la culture ne doit pas être parisienne. Pour quelqu'un qui fréquentait Victor Hugo, qui allait voir Dumas, etc., c'est un peu étonnant. La culture doit être... Enfin, les provinces ont une richesse intrinsèque qu'il faut mettre en valeur. Donc voilà le frontispice très chargé, très romantique, très achinalier de l'art en province, de sa première livraison. Mais la revue lui survivra elle aussi et sera publiée pendant 13 années, à partir donc de 1835. Derrière tout ça, mais ce serait l'objet d'un autre propos, n'oublions pas aussi que cette quête du Moyen-Âge en Bourbonnais est une sorte revêt pour le Bourbonnais une importance, je dirais, fondamentale d'identité. Parce que, contrairement à d'autres provinces qui ont une histoire étendue, depuis les temps celtiques jusqu'au temps moderne, le Bourbonnais, il n'existe réellement qu'à partir du Moyen-Âge, et il ne survit pas au Moyen-Âge. N'est-ce pas ? Il est créé par le premier ancêtre connu des ducs de Bourbon au début du Xe siècle, on va bientôt célébrer le 1000 centenaires de Souvigny, 915, 916, 920, on ne sait pas trop, mais c'est dans ces eaux-là. Et puis, en 1531, après la mort du connétable de 1527, plus de duché de Bourbon. Et c'est la Renaissance. Donc, le Moyen-Âge est équivalent au Bourbonnais. Les deux se recoupent exactement. Il n'y a pas, par exemple, un Bourbonnais celtique, comme il peut y avoir une Auvergne-Arverne, ou un Berry-Biturige, ou une Bourgogne-Éduenne. Nous n'avons pas de population celtique propre au Bourbonnais, il n'y a pas d'histoire antique propre au Bourbonnais. En revanche, le Bourbonnais est une création médiévale et ne survit pas au Moyen-Âge. Sauf, fictivement, à travers des duchés de Bourbon qui ne sont plus que des moyens de recettes fiscales, mais qui n'ont plus de réalité politique. Donc il est extrêmement important pour des gens comme Achille Alliez d'étudier ce Moyen-Âge et de le faire revivre parce que c'est en même temps le moyen de revendiquer une existence de la province de Bourbonnais. Et il n'est pas du tout innocent que ces deux œuvres majeures, l'ancien Bourbonnais et l'art en province, se superposent, se chevauchent. L'un, monument érigé à la gloire du Moyen-Âge, ça commence au XIIe siècle, ça finit au connétable, enfin ça commence aux origines et ça finit au connétable, et l'autre, prônant la décentralisation artistique et vantant finalement la vitalité des provinces. Vous voyez ? Donc l'aspect à la fois historique, médiéviste, et l'aspect régionaliste qui, en Bourbonnais, sont intimement et étroitement liés. Il ne faudrait pas cependant méconnaître que, à côté de ces particularités bourbonnaises, il y a toute une vague de fond dont j'ai déjà parlé, mais l'ancien Bourbonnais n'est pas une exception. Cette grosse histoire du Bourbonnais, certes, fait date, même dans l'histoire de l'édition française, parce qu'on avait rarement publié de tels monuments de lithographie et de typographie, mais il y a une autre entreprise qui est concomitante, à laquelle s'associent certains de l'ancien Bourbonnais, et qui est la grande aventure des voyages pittoresques dans l'ancienne France de Taylor et Nautier, ceux qui ont visité récemment le musée de la vie romantique à Paris, ont vu une exposition qui est consacrée à cette question, Taylor et Nautier, qui vont faire l'équivalent, si vous voulez, de l'ancien Bourbonnais, mais pour toutes les provinces de France, et tout au long du XIXe siècle. C'est une entreprise qui s'arrête après le Second Empire. Or, pour arriver à dessiner, à lithographier tous les monuments de l'ancienne France, Taylor et Nautier embauchent, bien entendu, des graveurs, des lithographes, etc. Et il y en a un qui passe par Souvigny, donc qui nous est commun entre l'histoire bourbonnaise et cette aventure des voyages pittoresques, c'est Bonaventure Laurence. Là aussi, c'est Henri Delorme qui l'avait déniché à travers ses carnets à la bibliothèque de Carpentras. Bonaventure Laurence, qui est un artiste, qui travaille à l'illustration des voyages de l'ancienne France de Taylor et Nautier, mais qui est en même temps un organiste et qui est attiré à Souvigny par l'orgue Cliquot. Donc il vient jouer sur l'orgue Cliquot, il vient faire un petit rapport dessus, et en même temps il dessine, vous le voyez, le chevet de l'église Saint-Marc, les restes du château des ducs de Bourbon, et voici Bonaventure. Non, c'est pas lui. Manifestement, c'est pas lui. Je pensais avoir le portrait de Bonaventure Laurence, mais vous le trouverez dans le catalogue si vous avez envie de voir à quoi il ressemble. Donc c'est intéressant parce que c'est un bon artiste de cette période romantique en France en général. À côté de cette éclosion de talent en province qu'Achille Alliez incarne, on a
beaucoup d'autres signes de cet intérêt pour le Moyen Âge, et il faut toujours faire cet aller-retour entre l'esprit général, la culture générale du temps, ce qui se passe ailleurs en France, et puis le Bourbon. Et nous avons le mouvement des sociétés savantes et des monuments historiques, qui à la fois concerne toute la France, mais qui impacte bien sûr le Bourbonnais, et vous allez voir les liens aussi avec Achille Ali. Tout ce petit monde, au départ, marche tout à fait ensemble. Donc les sociétés savantes, c'est l'idée, à la suite de la Société des antiquaires d'Angleterre, de créer des sociétés, des associations regroupant des savants qui sont en fait soit des archivistes, soit des historiens, soit de simples érudits, et qui vont former les rangs de la Société des antiquaires de Normandie, pour commencer, en 1824, où c'est la médaille que vous avez ici, la Société archéologique du Midi de la France, c'est la médaille qu'avait reçue Émile Malle, l'historien d'art dont je reparlerai, en adhérant à cette société dans les années 1890, la Société des antiquaires de l'Ouest, etc., et surtout la Société française d'archéologie créée par Arcis de Caumont. La Société française d'archéologie qui vit encore et à qui on doit les congrès archéologiques de France qui, chaque année, explorent la France monumentale. Arcis de Caumont, dont la lithographie ici en portrait, est extraite de l'art en province sous la direction d'Achille Ali. Vous voyez comment tous ces gens se connaissent, bien entendu, se fréquentent et s'échangent. On a en 1833 la Société des antiquaires de France, et puis bien sûr, comment l'oublier, on a en 1845 la Société d'ébullition du Bourbonnais, alors là c'est un peu postérieur, c'est vers 1900, sous les tours néo-gothiques, on y viendra, du château de Busset, une excursion de la Société d'ébullition. Donc ces sociétés sur le même principe, regroupement de chercheurs et d'érudits, et travaux de ces érudits, de ces chercheurs, travaux monographiques, sur les monuments, sur l'histoire locale, appuyés par des excursions au cours qui vraiment résume parfaitement, surtout quand on voit une photo comme celle-là, le sous-titre du livre de M. Chaline sur les sociétés savantes, sociabilité et érudition. C'est vraiment ces deux axes-là qui sont poursuivis, c'est-à-dire à la fois l'érudition, car tous ces gens-là sont studieux, et viennent étudier les monuments, mais sociabilité, parce qu'en même temps, c'est une excursion entre gens de même de bonne compagnie. On ne peut pas parler de ces sociétés sans évoquer le nom de Mérimée et des monuments historiques, parce que c'est au même moment, précisément au moment où Guizot crée en 1833 la Société d'histoire de France, que Mérimée est nommé inspecteur des monuments historiques en 1834. Tout ce mouvement-là prend corps à cette époque. Mérimée, qu'on connaît pour Carmen, Colomba et bien autre chose, mais qui quand même a passé une grande partie de son temps à inspecter les monuments historiques français et à adresser au ministère des rapports pour leur restauration. Dans l'Allier, il était sensibilisé dès 1832 par Achille Allier et Dufour, qui, l'un et l'autre à cette date, écrivent au ministère pour essayer de sauver les tours de Bourbon-l'Archambault. On a ici le manuscrit de la lettre d'Achille Allier qui est adressée à Dufour, et Achille Allier lui dit « Je viens d'obtenir de Victor Hugo la certitude que les tours de Bourbon ne seront pas rasées. » Vous connaissez l'histoire, le duc d'Aumale avait, je crois que c'est l'héritier du duc d'Aumale, avait mis en vente, enfin plutôt ses gestionnaires de fortune, avaient mis en vente les trois tours restantes de Bourbon-l'Archambault pour la pierre, et Achille Allier, Dufour aussi, mais Achille Allier a été plus loin, s'était dressé contre cette démolition et avait publié dans les journaux parisiens, grâce à Victor Hugo, une sorte de lettre ouverte qui disait à peu près ceci, si l'héritier de la fortune des Condés doit vendre les tours, les seules tours qui lui rappellent le nom de ses ancêtres, pour quelques milliers de francs, moi, Achille Allier, simple bourgeois de Bourbon-l'Archambault, je me porterai acquéreur et j'inscrirai en lettres d'or gravées au-dessus de la porte
ce château vendu par les héritiers des Condé a été acheté par moi, Achille Allier, bourgeois de Bourbon-l'Archambault. Alors évidemment, la lettre a fait une certaine impression, et Victor Hugo, qui à l'époque était bien vu des ministères, obtient rapidement que les tours soient sauvées, ce qui fait que Armand Queyroy, une quinzaine d'années plus tard, peut les reproduire dans un de ses carnets à dessin, et sous l'aspect, on les connaît toujours, mais il s'en est fallu peu qu'elles soient rasées. Donc, dans cette lettre que je viens de vous citer, Achille Allier, appuyé par Dufour, tente avec succès le sauvetage de Bourbon et plaide aussi pour Souvigny, en disant « cette église est dans un état déplorable ». Et il est très intéressant de retrouver là cette espèce de dualité qu'on avait dans les romans de Hugo, la cathédrale et le donjon. C'est-à-dire que, quels sont les deux monuments qu'Achille Allier, Dufour, plus tard Mérimée, etc., vont retenir du Bourbonnais? L'expression de la féodalité, l'expression du christianisme et de la religion. Donc, la cathédrale, il n'y en a pas, donc ils ne peuvent pas avoir besoin de la restaurer, vu qu'elle ne sera construite que plus tard, mais c'est Souvigny qui est le monument religieux phare du Bourbonnais, et le donjon, bien que Bourbon-l'Archambault n'ait pas de donjon, c'est quand même l'expression de la féodalité, c'est quand même les ruines du château de Bourbon. Alors, Mérimée va écrire, vous le savez, en 1838, ses notes de voyage en Auvergne, qui sont en fait rien de plus ni moins que la retranscription de ses rapports au ministère en faveur des monuments qu'il a rencontrés dans ses périples dans le midi de la France et en Auvergne. Il voit Moissac, il voit la Chaise-Dieu, il voit Moulin, son grand intérêt à part le triptyque, mais ce n'est pas vraiment son affaire. Il voit Souvigny, c'est le monument le plus remarquable de la province, écrit-il textuellement, et il voit Saint-Menu. Alors, comme vous le savez, étant en même temps chargé des dossiers du patrimoine au Conseil Général, j'ai trouvé très amusant de vous lire ce que Mérimée écrit de Saint-Menu, parce que vous verrez que rien n'a changé. Non seulement le cœur, mais toutes les parties de l'église de Saint-Menu montrent des crevasses et des infiltrations véritablement effrayantes. Je vous rassure, l'église vient d'être sauvée, mais les travaux, en quelques années à peine, ils viennent de s'achever. Les grands travaux fondamentaux en question. Il faudrait, je le crains, une dépense très considérable pour la préservation d'une ruine complète. Et connaissant les ressources dont vous pouvez disposer, monsieur le ministre, j'hésite à vous demander des secours pour un édifice qui en absorberait peut-être une grande partie. La commune est pauvre. Si le Conseil Général consentait à prendre à sa charge une partie de la dépense, 3 points de suspense. Alors, vous voyez, les choses, finalement, c'est très gothique comme idée, cette espèce de. Du destin, c'est au moment où l'ancien maire de Saint-Menu est devenu président du Conseil Général. Les choses convergent et que la situation finit par tourner à l'avantage de cette malheureuse église. Bien. Voilà. Et nous arrivons justement à l'un de mes derniers développements qui est sur les restaurations et constructions, parce que jusqu'à maintenant nous n'avons parlé que d'une sorte de mouvement intellectuel et artistique. Mais il faut voir comment il va se marquer dans le paysage monumental et comment, maintenant, à partir de 1850, on ne va plus vouloir construire qu'en médiéval, que ce soit des châteaux, que ce soit des églises ou que ce soit des villas. Donc, je vous montre ici un exemple tout à fait symbolique, c'est le château de Bourbon-Busset, donc un château qui porte le nom de la famille Bourbon. Et c'est à René Audet, qui est un architecte angevin, que nous devons sa restauration à partir de 1857. Il avait travaillé pour les Dreux-Brézés en Anjou, il avait restauré le château de Brézé, et la marquise de Dreux-Brézé le recommande cet architecte Audet à sa sœur, la comtesse de Bourbon-Busset. Donc tout ça se passe en famille. Et nous avons, en 1857, l'expression même de ce que vont être, le résumé de ce que vont être ces travaux d'époque néogothique. Soit on construit, on va le voir, des châteaux à partir de rien, enfin à partir de rien, à partir de modèles, mais sans s'en battre, on construit à neuf des châteaux, soit on restaure des châteaux qui, de véritables gothiques qu'ils étaient, vont devenir des sortes de fantasmes médiévistes qui ne correspondent pas nécessairement à une réalité historique, bien que ces architectes, il ne faut pas le négliger, soient pétris de culture.
Donc ici, nous avons bah, la création de ces échauguettes, de cette terrasse, la création du donjon, mais aussi la porterie, etc., la chapelle. Je ne vais pas, bien sûr, faire un détail de chacun de ces choses. Les grandes figures bourbonnaises ne sont pas autour de Viollet-le-Duc, mais autour peut-être d'une autre filiation, c'est Lassu, essentiellement le rival de Viollet-le-Duc, qui marque le Bourbonnais par trois constructions, dont deux subsistent. Le Sacré-Cœur de Moulin à partir de 1849, église sur le modèle, on pourrait dire, de la cathédrale idéale. Voilà, le projet à peu près réalisé de Lassu pour le Sacré-Cœur de Moulin. L'église de Cusset, que Lassu ne verra jamais achevée, puisqu'il meurt sur le quai de la gare de Vichy en venant pour superviser les travaux. Donc l'église de Cusset, qui est la reconstruction d'une église romane plus ancienne, mais Marianne Karadec a fait ici même une conférence sur cette église. Voilà l'intérieur. Et puis, le projet pour la cathédrale de Moulins, pour lequel Lassu est missionné, mais Lassu mourant en 1857, c'est un élève, enfin un proche de Viollet-le-Duc, Millet, qui va être chargé de l'achèvement de la cathédrale, et Millet, trouvant que Lassu n'a rien fait de bien, rase tout ce que Lassu a commencé à construire, et repart à neuf. Alors, nous avons dans le catalogue une contribution de Jean-Michel Léniaud, qui est le directeur de l'école des Chartes, et qui a fait sa thèse sur Lassu. Cette contribution porte sur l'œuvre de Lassu en Bourbonnais, et il y est très sévère pour le successeur de Lassu à la cathédrale, en disant que ce sont des murs froids, sans volume, sans transparence. En tout cas, les éloges qu'il attribue à Lassu pour ses constructions bourbonnaises, et en général pour les œuvres de Lassu, sont tout à fait mérités. Car quand on regarde les œuvres de Lassu, que ce soit le Sacré-Cœur de Moulins, ou que ce soit l'église de Cusset, on est frappé de la transparence et de la légèreté des volumes, dans deux genres différents, puisqu'encore une fois, le Sacré-Cœur est censé représenter un peu le modèle de la cathédrale, et l'église de Cusset plutôt le modèle d'une sorte d'église rurale, avec son clocher décentré, donc beaucoup moins majestueux. Mais vous l'avez vu à l'intérieur, le volume de l'église de Cusset intérieur est extrêmement harmonieux. Et surtout, Lassu joue énormément sur les façades extérieures, comme dans les élévations intérieures, sur les transparences, sur les doubles colonnes qui créent une animation murale. Ce n'est pas des gros piliers massifs, c'est des jeux de volume avec des ombres et de la lumière, c'est des percements multiples, ce sont des triforiums, ce sont... Vous voyez ici comment l'animation du mur est réalisée pour une église qui n'est pas très grande et qui évite complètement une sensation d'écrasement, comme probablement aurait pu la donner la même œuvre réalisée par d'autres architectes. Et c'est Millet qui poursuit le travail de la cathédrale. Vous savez, c'est Monseigneur de Drebrézé, l'évêque qui commande la cathédrale. Elle ne sera achevée que relativement tardivement par rapport à son début. Mais nous avons ici un document tout à fait exceptionnel, puisqu'on voit Viollet-le-Duc en compagnie de Drebrézé sur le chantier de la cathédrale. C'est une archive photographique du fonds Clément aux archives départementales. Voilà Viollet-le-Duc. Il fallait bien quand même que pour une conférence placée sous son patronyme, on puisse le montrer une fois. Mais s'il n'a pas été l'artisan d'œuvres en Bourbonnais, sauf à travers Millet, celle de la cathédrale, c'est par des relevés, surtout, qu'il se distingue. Vous avez ici, paru dans son dictionnaire du mobilier, l'armoire aux reliques de Souvigny, qui est donc considéré par lui comme un meuble unique en son genre, dit-il. Et puis, une très jolie aquarelle représentant les ferrures d'une des portes d'Ébreuil, de l'église d'Ébreuil. Donc il y a quand même quelques traces de Viollet-le-Duc en Bourbonnais, et ce n'est pas de façon complètement indue qu'on l'a cité tout à l'heure. Celui qui surtout va marquer l'architecture, vous le savez très bien, tout le monde le sait par cœur, l'architecture néo-médiévale du Bourbonnais, c'est Moreau, je dirais les Moreau, Moreau père et fils, hein, Jean Bélisère et puis René, son fils, avec lequel il fera quelques travaux. Je ne vais pas faire une conférence sur Moreau, parce que Moreau a quasiment construit une grande partie, en tout cas c'était la totalité de tout ce qui se trouve de néo-gothique et de néo-roman en Bourbonnais. Leur production a été intense, c'était l'architecte favori de Drebrézé, c'était l'architecte favori de l'aristocratie bourbonnaise, et quand il avait fini chez les uns, il commençait chez les autres. C'est plus ou moins réussi, mais c'est quand même un architecte qui a à son actif de très grandes constructions. Je vous montre ici un exemple de ce que peut donner l'idéologie
néo-médiévale poussée à son extrême. On a ici le manoir de Montaret, à Souvigny. Dessin inédit, enfin inédit non, puisqu'on l'a mis dans un cadre raisonné, mais dessin qui était inconnu, de Kerouac, enfin, datable de 1855, à peu près. Bien, le château de Montaret, avant qu'il ne redevienne la ruine actuelle en raison de l'incendie des années 30, et alors pardon pour le document, mais est restauré comme ça par nous. Donc, c'est très intéressant de faire la comparaison entre avant et après. Le vrai Moyen-Âge en Bourbonnais et le faux. Qui est en même temps un vrai Moyen-Âge aussi, parce que tout ça sort d'études tout à fait poussées, de traités d'architecture, et ce n'est pas n'importe quoi. Mais, évidemment, c'est une création, on dirait ça en termes littéraires, une forgerie, c'est quelque chose qui est totalement inventé par rapport à la réalité. Alors, il y a toute une gamme, un catalogue des constructions de Moreau. Ici, vous avez le château de Dreuil à Fressanges, qui pourrait, alors, d'après Franck Delmiot, qui les a étudiés de très près, évoquer la silhouette des châteaux bourbonnais, mais on est quand même très très loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est toujours ce quadrilatère avec les tours à un ou deux angles, et puis une tourelle d'escalier centrale, le modèle des châteaux des petits manoirs de Besson, de Ris, de... qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le genre, même Fourchaud, si on imagine un petit peu ce corps de bâtiment comme un donjon un peu plus élevé. Beaucoup de ces manoirs bourbonnais ont cette tourelle centrale et ces tournantes. Mais ici, avec le vocabulaire décoratif, de ces arcs en accolade, de ces linteaux en accolade, l'utilisation de l'ardoise, cette flèche-là qu'on n'a jamais vue, avec ce campanile en bourbonnais, tout ça est un mélange, un doux mélange d'éléments médiévaux, renaissants, nigériens, plus ou moins retravaillés, mais mélangés. Vous avez ici le château des Guichardots à Saint-Gérand-de-Vaux, toujours donc de Moreau. Alors là, les spécialistes vous disent que c'est le moment où Moreau s'affranchit un peu d'une sorte de rigueur et va plus dans l'esprit du gothique, vers une combinaison de volumes asymétriques qui vont évoquer davantage l'aspect gothique de l'architecture, puisque, on le sait bien, dans l'architecture gothique, rien n'est complètement rationnel et symétrique. Mais là, le grand monceau, vous voyez, dont il a fait un autre exemplaire dans l'Inde, je crois, le grand monceau ici est une façade absolument symétrique et qui n'a rien de la fantaisie des Guichardots. Évidemment, son chef-d'œuvre incontesté, c'est Contresol, cet immense château de Contresol qu'il construit à partir de rien sur la propriété de la famille Binet, puisque le vieux Contresol existe encore à côté. C'est le même schéma qu'au château de Bost à Besson, où on a le vieux beau qui reste et le nouveau beau qui est construit à côté en 1875. Et ici, vous voyez, alors là, une sorte d'exubérance, effectivement, gothique, mais à laquelle se mêlent des éléments qui n'ont rien de gothique, comme par exemple l'appareil de briques polychromes losangées, qui lui appartiendrait beaucoup plus au XVIIe siècle moulinois. Voilà le plan, une coupe, pardon, du château de Contresol, qui me permet d'insister sur le fait qu'il n'y a pas, bien sûr, que l'extérieur de l'architecture qui est traité, mais tous les décors intérieurs qui en même temps sont néo-gothiques, que ce soit les décors au pochoir, que ce soit le traitement des escaliers, la sculpture, les éléments de décor intermédiaires. Le château bien connu de certains, de La Grillère à Monétay-sur-Allier, qui est l'un des derniers du genre, toute fin 19e, et où on a voulu là imiter plutôt une architecture du nord de l'Europe, avec ses pignons à redans, et avec l'utilisation exclusive de la brique, mais qui n'est pas la brique polychrome, ici. Et puis, par d'autres architectes, alors je pourrais citer Dadol, qui fait par exemple le château d'Origny, la Moulin, Selmersheim, ici, c'est un élève de Millet, et qui, en 1800... alors, je n'ai pas la date, pardon, je ne trouve pas, mais à la fin du 19e siècle, reconstruit le château de Toury au Bourbon-Chalut, au Bourbon-Busset. Donc voilà le château de Toury, toujours un dessin de Kerouac avant sa restauration, et le voilà devenu néo-gothique à l'issue de sa restauration. Merci.
c'est toujours le même tour. Donc, c'est très intéressant, ce plaquage d'éléments néo sur du vrai. Pour faire plus vrai, en fait. Pour donner l'impression que c'est davantage médiéval et qui est tout le vocabulaire. C'est l'idée. Alors, on n'est pas là, c'est pas Viollet-le-Duc, mais on est dans l'idée de Viollet-le-Duc de la cathédrale idéale qu'il reconstruit à Notre-Dame de Paris. Une cathédrale doit avoir une flèche, même s'il n'y a pas de flèche à Notre-Dame. On doit restaurer tel que ça aurait été dans l'idéal que ça aurait été conçu. Donc là, si les Bourbons-Chaluts n'ont pas été jusqu'à nous installer des donjons à Machicoulis, ou s'ils les ont perdus entre-temps, eh bien, ça fait rien, on les leur remet, et comme ça, au moins, ils ont un vrai château médiéval. La même chose se situe au niveau de l'architecture urbaine dans les multiples castels qu'on peut voir à droite à gauche. Alors parfois c'est une simple petite tourelle en échauguette, parfois à Vichy qui est une sorte de musée vivant de l'architecture. Vous avez ici la villa gothique, le castel gothique qui dit bien son nom, et par Samuel Henriquet et par le même la villa du docteur Maire, le précédent de 1910, celui-ci de 1911. Vous voyez comment le néo-gothique là arrive dans le XXe siècle. Quant aux églises, il faudrait aussi une conférence entière, dont je vous fais grâce pour l'instant, mais je vous ai montré l'intérieur de l'ancienne église de Bressols, dessinée par Durand. Vous l'avez ici reconstruite par un abbé avec le financement de Mgr de Debrézé en 1871, en ex voto pour la guerre de 70. Si les Prussiens n'envahissaient pas le diocèse de Moulins, on reconstruisait l'église de Bressols, aussi la salette d'Averne et un certain nombre d'autres choses. Donc cette église qui se veut une église de campagne du XIIIe siècle. Alors, il y a une sorte d'anachronisme, non seulement dans le fait de plaquer du néo à la place du véritable médiéval, ce qui est quand même parfois absolument étonnant. Marcel Genermont note dans son dictionnaire des églises de l'Allier que les municipalités, plutôt que de restaurer de véritables églises médiévales, ont construit des monuments stéréotypés, faux médiévaux. Mais il y a un autre anachronisme qui est plus bourbonnais, celui-ci, c'est que le style gothique qui est retenu est toujours celui du XIIIe siècle, que ce soit à la cathédrale de Moulins, que ce soit ici à l'église de Bressols. Or, du XIIIe siècle en bourbonnais, on n'en a pas, pratiquement pas. La seule trace de véritable gothique 13e qu'on ait, c'est un petit bout du transept de Saint-Louis. Et c'est tout. Le gothique en bourbonnais, c'est pas avant, ou très peu. C'est uniquement dans la sphère royale, parties orientales de l'église d'Ébreuil et de Saint-Pourçain, qui se suivent à quelques années près, et qui sont la marque des chantiers royaux dans des villes qui n'appartiennent, dans des abbayes, dans des villes qui n'appartiennent pas aux bourbonnais. Et puis, c'est surtout la fin du XVe siècle, le gothique. C'est-à-dire la splendeur ducale au moment de son apogée, à partir de Jean II, avec Louis II, avec bien sûr Charles Ier et Anne de France. Là où on a le pavillon de Beaujeu, ça c'est l'extrémité, puisqu'on est dans presque le renaissant. Mais l'augmentation de la collégiale de Moulins, les grands vitraux, les travaux des chapelles de Souvigny, etc., tout ce gothique-là, c'est du gothique de la fin 15e. Et nous n'avons pas de véritable 13e en bourbonnais, à défaut d'en avoir du vrai, on en a du faux, puisqu'on nous le donne à partir de 1870-80, toutes ces églises étant essentiellement datées du dernier quart du 19e siècle. On est après, généralement après le Second Empire. En néo-gothique, comme celle de Bressols à l'instant, en néo-roman, comme celle de Saint-Léopardin d'Augie, dont je vous laisse apprécier l'esthétique, mais qui existe et qui est évidemment toujours très ambitieuse, car ces édifices sont aussi en commun en général d'être prévus pour une vaste population. Excusez-moi, c'est pas quel endroit ? Saint-Léopardin d'Augie. Voilà. À la place d'une ancienne église romane dont le portail polylobé subsiste, mais a été déplacé à l'entrée du cimetière, tout ce qui reste de l'ancienne église de Saint-Léopard. Mais vous avez aussi, on pourrait en citer 100, Cône d'Allier, on peut même en citer 110, puisque j'ai fait le compte, nous avons apparemment 110 églises, au moins 110 églises entièrement refaites au XIXe siècle. Sans parler de celles qui ont été transformées. Et c'est énorme, sur un total de 350 à peu près. Donc c'est aussi, bien entendu, l'œuvre de l'évêque, car ce ne sont pas uniquement les paroissiens et les curés qui veulent de nouvelles églises, c'est l'évêque de Moulins, Mgr de Debrézé, qui délibérément souhaite le renouveau de son diocèse, agrandir les églises pour qu'il y ait plus de monde à la messe, manifester la puissance
y compris temporelle, de l'Église et son implantation architecturale dans la cité. Et on sait combien Monseigneur de Dobrézé était un évêque engagé, finance l'Église de Commentry, mais avec des préoccupations tout à fait humanitaires et sociales, puisque c'est pour les ouvriers de Commentry. Et beaucoup des églises de la région de Montluçon sont construites dans l'idée que ce sont les populations mineures qu'on accueille et auxquelles il faut des lieux de culte dignes. Monseigneur de Dobrézé, bien sûr, va non seulement renouveler le parc immobilier des églises, mais aussi l'intérieur de ces églises et à la fois le mobilier, le vestiaire liturgique de ces églises. Alors, il faut dire que les architectes, que ce soit Viollet-le-Duc, que ce soit Lassus, travaillent dans les deux domaines. Non seulement ils construisent ces églises, d'autres choses, ils sont architectes, mais aussi ils sont finalement des créateurs d'art décoratif. Et ici, vous avez un modèle de châsse, la châsse de Saint-Radegonde, dessinée en 1852 par Lassus, un modèle que l'on pouvait ensuite copier et s'approprier pour les paroisses. Monseigneur de Dobrézé fait réaliser par deux orfèvres, essentiellement, le nouveau mobilier et le nouveau, la nouvelle vaisselle liturgique du diocèse, à commencer bien sûr par ceux de la cathédrale, puisqu'il n'y avait pas de cathédrale avant lui et qu'il est bien obligé de la doter d'un nouveau mobilier et de vases sacrés. Voici un calice, par exemple, commandé par Dobrézé chez l'orfèvre Poussiel de Ruzan. On est dans les environs de 1860, et ce calice existe à plusieurs exemplaires. En fait, là, le modèle n'en est pas donné par un architecte, mais par une revue, les travaux du père Caillé, et puis les annales archéologiques de Didon fournissent aussi des modèles, notamment pour les paroisses, de ce genre de choses. Voilà une crosse néo-gothique de ce même trésor de la cathédrale que Monseigneur de Dobrézé constitue. Le vestiaire, un pluvial d'une grande chape, dont le motif, c'est intéressant par rapport à ce que je disais au départ des relations franco-anglaises, le motif est issu des catalogues de dessins de l'architecte anglais Pugin. Donc on a recopié là un modèle anglais, non pas français. Ici, un seau liturgique, dont le modèle serait plutôt Mosan. Alors Neil Stratford nous explique notamment que ces entrelacs viennent directement de la châsse de Saint-Oswald. Je vous le donne parce que c'est toujours un point intéressant à connaître. Mais ça veut dire qu'il y a des citations très précises dans la création de ces éléments d'orfèvrerie qui en font finalement souvent des copies ou des interprétations tout à fait de grande qualité et tout à fait intelligentes et renseignées de l'orfèvrerie médiévale. Le reliquaire de la Sainte-Croix de Bourbon-l'Archambault, ou plutôt l'un des trois reliquaires de la Sainte-Croix de Bourbon-l'Archambault, vous savez que alors ça c'est une chose insigne en Bourbonnais, le duc de Bourbon, Louis Ier, avait reçu de son père Robert de Clermont, qu'il avait reçu de Saint-Louis, les reliques de la vraie croix achetées par Saint-Louis à l'empereur de Constantinople, et Louis Saint-Louis en avait doté les différentes branches cadettes de la famille capétienne. Louis Ier de Bourbon en avait bénéficié et entrepris la construction d'une sainte chapelle à laquelle succédera une deuxième sainte chapelle dans l'enceinte du château des Ducs de Bourbon. Et Louis II commande en 1397 ce reliquaire dont nous n'avons que le relevé par Dufour, puisqu'il a disparu à la Révolution, ce reliquaire qui est en 1860-70 copié par Dobrézé, par l'orfèvre Armand Calliat, pour replacer les reliques de la vraie croix dans l'église de Bourbon. Donc, un exemple où finalement on va s'inspirer d'un témoignage d'archives du Moyen-Âge pour recréer l'œuvre qui a disparu. Et voici solennellement, c'est un tableau de Decamps, daté de 1872, qui représente Monseigneur de Dobrézé replaçant solennellement les reliques de la vraie croix dans ce nouveau reliquaire, nouveau mais copie de l'ancien, à l'intérieur de la chapelle des Bourbons, à l'église de Bourbon-l'Archambault.
Mais quand je parle de ce mobilier liturgique en général, il faut penser que, tout comme on construit les églises et on les dote du vestiaire, du mobilier, de la vaisselle liturgique, dans les châteaux, c'est la même chose. On va aussi asseoir les châtelains dans des cathèdres. Et on va reconstituer avec le château et les décors intérieurs qui vont avec, le mobilier gothique, confortable ou pas, ça n'est pas la question. Donc vous avez ici un des manuels que pouvaient utiliser les menuisiers à qui on demandait ces choses-là, c'est le dictionnaire du mobilier de Viollet-le-Duc. Parce que en 7 tomes, Viollet-le-Duc vous donne, mot par mot, par ordre alphabétique, vous décline toutes les possibilités du mobilier médiéval, depuis l'armoire, la chaise, la table, etc. Et vous pouvez donc vous faire un intérieur gothique en achetant le dictionnaire du mobilier qui est suffisamment précis pour vous donner le profil des moulures en serviettes pliées dont on va voir sur les boiseries des châteaux néo-gothiques bourbonnais des centaines et des centaines d'avatars, mais aussi sur les meubles. Et si je vous ai montré ici la chaise, c'est pour que vous l'ayez dans l'œil avec sa petite galerie sculptée au-dessus et ses plis de serviettes, parce que je vous montre ici celle d'Armand Quérois, le conservateur du musée de Moulins, qui ornait son vestibule dans les années 1870-80, rue Renaudin à Moulins. Alors, comme pour les châteaux, c'est très amusant, soit on construit à neuf, sur les modèles, soit on restaure. Et alors vous avez, les antiquaires vous disent, c'est un meuble d'époque Louis XVI, parce qu'il suffit qu'il y ait un pied Louis XVI pour que le meuble entier devienne Louis XVI. Bien là, pour les mobiliers médiévaux, c'est un peu la même chose, et c'est parfois assez difficile de déterminer sur les vieilles crédences, sur ce genre de chaises, qu'est-ce qui est vraiment gothique, parce qu'il y en a beaucoup, et qu'est-ce qui a été refait au XIXe siècle pour qu'on puisse s'asseoir dessus, et pour qu'on puisse surtout en faire des éléments de décor intérieur. Car il ne faut pas croire qu'on faisait les choses à demi-mesure, et qu'on se contentait, dans un intérieur bourgeois confortable, Napoléon III, d'avoir un meuble gothique pour faire genre. Non, on était complètement gothique. Au moins, par exemple, dans les salles à manger, qui sont généralement haute époque. Après, c'est l'avatar du fameux buffet Henri II, mais c'est encore autre chose. Et alors, ici, vous avez la galerie du collectionneur Armand Quérois, où vous retrouvez ces meubles mis en scène, et les objets de collection disposés, mais de telle façon qu'il ne s'agisse pas d'un musée, à proprement parler, mais véritablement d'un cadre de vie. Donc ces gens-là vivent, en fait, au Moyen-Âge. Voilà l'autre aquarelle représentant sa galerie de la rue Regnaudin, et vous retrouvez sa chaise ici. Et en toute simplicité, les chiens sont là, le tapis est là, mais on est éclairé par des vitraux qui sont, on les possède encore, des vitraux plus ou moins renaissants, remontés, avec des pièces plus ou moins authentiques, mais c'est une question. Là, on va passer de la notion de décor à la notion de collection, puisque il y a à la fois l'authenticité des pièces parfois remarquables, certaines se trouvent aujourd'hui dans les grands musées internationaux, et la notion de décor et de mise en scène, comme vous voyez ici à la photographie d'une partie de la collection Quérois. Je ne sache pas qu'aujourd'hui les collectionneurs exposent ainsi leurs œuvres ou que nous ayons à Moulins l'équivalent de ça chez des particuliers. C'est assez étonnant. Or, ces objets-là, mis en scène, avec cette espèce de rapière qui vient faire on ne sait quoi, avec les cartons de dessin, c'est une mise en scène de photographe, mais c'est dans l'intérieur du collectionneur d'Armand Quérois. Et on a d'autres photos, d'autres intérieurs de collectionneurs de la même époque, où les murs sont absolument tapissés de faïence de haut en bas. Je vous montre encore un petit dessin de Quérois, mais c'est un petit clin d'œil à notre médiathèque, puisque c'est un tout petit dessin qui passe bien à l'agrandissement et qui représente un des émaux de la Bible de Souvigny qui est conservé ici, et qui montre aussi comment ces collectionneurs, le goût médiéval de ces collectionneurs, voilà, les poussait à dessiner à la fois leurs propres objets, confrontés aux objets qui étaient dans les musées, faire les catalogues des musées, devenir, passer du stade de conservateur, du statut de conservateur privé, comme était Quérois, à un statut de conservateur de musée, puisqu'il a à la fois créé le musée de Vendôme et de Moulins. Donc là, ce sont des catégories qui ne sont pas étanches. Et en parlant de musée, je ne peux pas m'empêcher de terminer, puisque là, ça nous amène à la date de conclusion de notre exposition. Nous sommes arrêtés, grosso modo, au début du XXe siècle et à la guerre de 1914-1918. Je ne peux pas m'empêcher de
faire une petite place aux collectionneurs de monuments, notamment américains. Ce qui, bien avant la Première Guerre mondiale, mais surtout après, pour se payer un peu de l'aide américaine à la France, ont parcouru les provinces françaises en achetant tous les cloîtres possibles et imaginables et tout ce qui pouvait traîner de pierre dont les communes et le clergé n'avaient pas un immense souci. Voilà un édifice que tout le monde connaît, parce que tout le monde est passé au moins une fois par la nationale qui relie Montmarault à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Sur la gauche, vous voyez une chapelle en ruine, qui est une chapelle romane, et elle a maintenant une grande porte de grange à la place de ce portail polylobé qui a été acheté par les Américains et trône aujourd'hui, comme je le prouve, dans une des salles du musée des cloîtres de New York. En même temps, bonne compagnie, en même temps que le cloître de Saint-Michel de Bouchard, l'intégralité du cloître de Saint-Guilhem-des-Erts, et en face, est-ce que le catalogue serait voilà. Heureusement, aujourd'hui, l'image virtuelle vous permet d'asseoir les gens à Saint-Guilhem dans une petite salle où on voit en trois dimensions le cloître comme si on y était. Tous ces mouvements, finalement, vont aboutir tout de même à quelque chose d'assez différent. On a vu comment, d'une sorte de mode, on passait à un engouement réel culturel, puis à un processus de création, de recréation d'un Moyen-Âge en habitant des immeubles médiévaux et des meubles médiévaux. Et puis vient le moment où, enfin, le Moyen-Âge, finalement, devient ce qu'il peut-être aurait dû toujours rester, c'est-à-dire un objet d'étude. Une période de l'histoire de l'art qu'on étudie comme telle de façon sérieuse et savante. Alors c'était bien sûr les travaux de tous les érudits dont j'ai déjà parlé, mais c'est ce qu'incarne parfaitement la Société française d'archéologie qui, née au début du XIXe siècle, poursuit jusqu'à maintenant ses travaux en faisant ses monographies d'édifices, Société archéologique de France, mais archéologique évidemment pas au sens de l'archéologie de fouille, mais de l'archéologie monumentale. Donc ces gens-là, ici on voit le congrès de la Société archéologique de France en 1913 devant l'église de Meillé. Il y a eu trois congrès dans l'Allier, dans l'histoire de la Société archéologique de France. Il y a eu celui de 1854, très précoce, qui était l'un des plus premiers, où on parle beaucoup de la colonne du zodiaque et de Souligny. Il y a eu celui de 1913, c'est celui-ci. Il y a eu celui de 1936, et enfin, le tout récent, celui de 1988. Alors on en a, un peu comme le passage des comètes, on en a déterminé que le prochain congrès archéologique de France reviendrait dans quelques décennies. Mais il nous éclaire parce que ces savants, qui sont des grands conservateurs de musées, qui sont Stratford, par exemple, Stratford y participe, mais bien d'autres gens, des conservateurs du Louvre, des conservateurs du British Museum, des spécialistes d'architecture, d'archéologie, et lors du congrès, chacun s'attelle à étudier un édifice à travers son histoire, l'histoire de ce qu'on a écrit dessus déjà, mais aussi à travers les toutes dernières données qu'on a sur cet édifice, et publie ensuite dans les actes du congrès archéologique l'ensemble de ces monographies qui fait date. Aujourd'hui, si l'on veut quelque chose sur l'église de Souligny, il faut encore se reporter à la notice d'Eliane Vergnol dans le congrès archéologique de 1988. Et ce moment où le Moyen-Âge devient objet d'étude, de science, est absolument incarné, et il faut finir là-dessus ici, par Émile Malle, parce que d'abord Émile Malle est bourbonnais, donc il faut sans cesse citer son nom ici, et ça a été fait, je crois, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours ou quelques temps ici, avec une conférence de Raphaël Maraval sur Émile Malle, mais sous un autre aspect. Émile Malle est né à Commentry en 1862, pardon, et il est mort à Chaly, à Ville-Chaly en 1954. Et Émile Malle est l'auteur, en 1898, de la première thèse soutenue en France sur l'art médiéval, qui s'appelle « L'art religieux du XIIIe siècle en France, études sur l'iconographie chrétienne et ses sources d'inspiration », qui paraîtra quelques années plus tard chez Armand Collin, et qui va être un grand succès de librairie, suivi ensuite de trois autres volumes sur l'art de la fin du Moyen-Âge, sur l'art du XIIe siècle en France, et enfin sur l'art de la contre-réforme qui nous écarte du Moyen-Âge.
mais c'est le fondateur de l'iconographie médiévale. C'est le premier à avoir eu l'idée que les représentations qu'on avait sur les églises n'étaient pas liées au hasard ou à la fantaisie des artistes, mais se reliaient à des textes précis qu'il fallait aller lire. Donc il a déchiffré, on l'appelle le Champollion des cathédrales, il a déchiffré les 10 000 images de la cathédrale de Chartres, les milliers d'images des cathédrales gothiques dans son premier ouvrage, à la lecture des traités de Jacques de Voragine, à la lecture de saint Jacques de Voragine, à la lecture du Speculum Majus de Vincent de Beauvais, enfin de tous ces ouvrages que personne n'allait plus lire, mais qui contiennent la science, le savoir, la vision du monde médiéval. Et en lisant ces ouvrages, il a compris ce que voulaient dire ces sculptures, ces vitraux, ces chapiteaux, et ces peintures dans les églises. Et cette méthode, il l'a appliquée dans ses quatre livres, la science donc de l'iconographie religieuse. Et le retentissement de sa thèse a été tel, en 1898, qu'on a créé pour lui, peu de temps après, une chaire, la première chaire d'histoire de l'art médiéval à la Sorbonne, qu'il a tenue jusqu'au moment où ses fonctions l'ont appelé à la direction de l'école de Rome au palais Farnèse. Donc voilà. Émile Malle boucle la boucle commencée un peu par Achille Allier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'Émile Malle avait écrit lui-même un article sur Achille Allier. Il se sentait peut-être un peu redevable. Mais cette grande boucle qui nous mène finalement à travers un vaste 19e siècle, commencé un peu avant la Révolution française et terminé à la Première Guerre mondiale, cette boucle qui voit le Moyen-Âge, objet parfois de passion, objet subjectif, devenir un objet d'études et un objet de science, grâce notamment à cette figure tutélaire d'Émile Malle. Merci de votre attention.